Salut à tous, c'est SciSwix. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA 5 Online 1.48 pour une toute nouvelle vidéo. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir la tenue du Joker, donc celui du film de 2019, donc cette année, celui qui est sorti récemment. Je vais vous montrer comment avoir sa tenue. Vous verrez, c'est très simple et très rapide à faire sa tenue. Donc, pour commencer, vous allez vous rendre à un magasin de vêtements. Moi, pour ma part, je suis dans ma garde-robe du casino. Car je spawn ici, donc je commence la vidéo. Voilà, donc vous allez dans les tenues. Une fois que vous soyez dans la tenue, vous allez dans la catégorie des costumes ouverts, vie de rêve. Pour moi, dans cette catégorie, j'en ai qu'une, et vous, si vous êtes dans un magasin de vêtements, vous en aurez plusieurs. Mais vous mettez la revers crinté rouge, vous mettez celle-ci. Une fois l'avoir mis, vous allez vous rendre maintenant dans le casino. Une fois que vous soyez dans le casino, vous vous rendez le coin des vêtements dans le casino. Vous allez dans les hauts. Une fois que vous soyez dans les hauts, vous allez voir dans la catégorie des gilets de bureau et vous mettez la première, la chemise de flambeur moutarde. Vous mettez celle-ci. Une fois mis, vous pouvez maintenant sauvegarder la tenue à l'emplacement que vous voulez. Donc là, vous sauvegardez la tenue. Une fois avoir sauvegardé la tenue, vous allez vous rendre maintenant à un coiffeur, celui que vous voulez. Donc une fois que vous serez dans un coiffeur, vous rentrez bien sûr à l'intérieur et vous faites une fois flèche de droite pour changer de look. Une fois qu'on va maintenant, vous allez dans les coiffures. Donc une fois que vous soyez dans les différentes coiffures, vous allez mettre les cheveux gominés et vous allez mettre les cheveux en verre. Donc il y a trois verres différents. Bon, moi pour ma part, je mets celui-ci. Ensuite en mèche, si vous voulez mettre des mèches, moi pour ma part, je les ai mises noires. Même si ça se voit pas trop, j'ai quand même mis noir. Donc ensuite, vous faites X pour changer la coiffure. Voilà. Donc vous pouvez voir à quoi ça ressemble déjà. Donc une fois avoir changé la coiffure, vous allez maintenant changer la peinture. Donc vous allez bien sûr dans les peintures et vous mettez la peinture clown. Donc, elle coûte 20 000 dollars, c'est assez cher pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, j'avoue. Mais bon, si vous voulez ressembler au Joker, il faut payer. Voilà. Donc une fois avoir mis cette peinture là maintenant, vous allez changer les lentilles. Moi pour ma part, vu que j'avais des lentilles rouges, je vais mettre des lentilles normales. Vu que le Joker a pas des lentilles, enfin a pas des couleurs de yeux spécial, il a des yeux normaux, on va dire. Voilà. Donc moi je mets des yeux normaux, je vais mettre les émeraudes, c'est les deuxièmes. Voilà, donc une fois avoir changé les cheveux, la peinture sur le visage et les lentilles, vous avez terminé la tenue. Et vous avez votre Joker de 2019, le tout récent. Après, ce qui est dommage avec la tenue, c'est qu'on ne peut pas changer la couleur de peau du visage. Si on pouvait mettre blanc, ce serait parfait. Mais malheureusement, on ne peut pas. Donc moi, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé. C'était SciSwix. Salut tout le monde. Peace!